Mais là, oui. Bonjour à tous. Bon, super. Alors, qui est l'intervieweur? Qui est le lecteur? Qui est le... C'est un travail de groupe. Moi, je bosse pas. Moi, je suis là, je coordonne. Je bosse pas. Donc, les lecteurs, ce sont eux, je crois. Bon, bah, enchanté. Allez, super. Allez, on y va. On y va, voir. Dans la salle. Merci. Vous êtes tous différents, donc merci de nous donner du temps. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. C'est bizarre, bien. La piste que vous prenez la parole en premier, c'est vous qui allez poser la première question. Pas de soucis, j'en ai peut-être plusieurs. Moi, je vous connais vraiment depuis nos limites. Ah. J'ai kiffé la série, mais merci. Kiffé de kiffer. J'ai vu, j'ai revu. Bien triste qu'il n'y ait pas eu de suite. Eh oui. J'aurais bien voulu en savoir davantage quand même, mais bon, bah, eh oui, il finissait en prison. Mais c'est ça. Sur une série, là où on s'arrête, sur un long métrage, ça commence. D'accord. C'est-à-dire que quand au bout de 3, 4, 5, 6 prises lors de Butler, elle dit c'est bon, j'ai ce qu'il faut, sur un long métrage, c'est là que ça commence le travail. Okay. Et on va jusqu'à 25 prises, s'il faut, 30 prises, 40 prises, c'est pas grave. Et quand un metteur en scène, un producteur, un scénariste vous parle de ce qu'il veut faire et qu'il atteint exactement l'objectif qu'il vous avait dit au départ, un objectif artistique, moi, j'ai un grand respect pour ça, quel que soit le type hein, de film, c'est-à-dire que ça peut être un film complètement débile, super drôle, où chaque gag en enchaîne un autre, etc. J'ai autant de respect pour quelqu'un qui atteint cet objectif-là et qui m'embarque complètement dans un truc hilarant, genre les maîtres du genre, c'est les frères Farrelly, quoi. C'est-à-dire Marie à tout prix, tous ces films. Ou alors. Casavettes, Cassavetes, ou des films d'auteurs beaucoup plus intello, mais où le but recherché, l'objectif recherché, c'est de vous faire réfléchir sur le monde, ou de vous apporter une réflexion et une vision, sans passer forcément par le rire. Ah oui, merci. Il était très marrant quand même. Ah oui, bah oui, bien sûr. Il était sympathique aussi, une photo avec vous. Oui, il ne mange pas. Merci. Charcot, c'est quelqu'un de très seul, qui a vécu un drame terrible et qui a perdu sa fille et qui vit avec son fantôme. Donc c'est quelqu'un qui a une incapacité à faire le deuil, qui sait très bien que sa fille est morte, mais qui ne comprend pas pourquoi elle ne va pas à l'école, pourquoi elle traîne avec lui tous les jours. Donc il y a à la fois, il est complètement conscient de la réalité de son drame, de sa tragédie, et en même temps, il a une folie, il hallucine, il voit sa fille partout. Bon, c'est une grande souffrance, hein, c'est quelqu'un qui... Et qui est passionné, il adore les affaires les plus tordues. Plus c'est tordu, plus il aime ça. Il a il travaille à la brigade criminelle, et il aime la criminalité, il aime le mal en fait. Il a une fascination pour ça, il aime travailler sur des choses les plus sordides. C'est une série qui n'est pas du tout horrifique, et qui n'est pas du tout sombre, hein. Il y a beaucoup de sentiments. Mais bon, moi j'ai préparé mon rôle le plus méthodiquement possible pour livrer une vision de Charcot, qui est la mienne, et qui j'espère plaira aux fans de Franck Tilliez. Alors moi j'ai choisi de venir rencontrer Vincent Elbaz aujourd'hui parce que j'apprécie beaucoup cet acteur de par sa capacité à interpréter plein de rôles différents avec plein de personnalités différentes et sa capacité à s'attacher à chaque personnage. Et je trouve ça extrêmement intéressant, c'est rare dans nos acteurs français et je trouve que voilà, il a une façon de s'adresser aussi à son public qui montre qu'il donne quelque chose en retour de l'intérêt qu'on va lui présenter à ses films. Donc voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais le rencontrer. Et là, comment tu l'as trouvé pendant l'échange? Je l'ai trouvé très fluide, très à l'écoute, vraiment avec toujours sa petite touche d'humour qui le caractérise, avec laquelle on le connaît dans l'ensemble de sa biographie et de sa filmographie. Donc vraiment, c'était appréciable et comme à l'écran. Il n'y a pas de différence de personnage. Donc tu es fan? Je suis complètement fan, ça confirme. Vraiment très très top. Ouais, merci beaucoup pour cet échange en tout cas.